Allez, on commence ce gameplay avec Assetto Corsa, premier du nom. Je l'ai peut-être mis un poil violent, alors encore une fois, hein, je vous explique. Et je vais le répéter plusieurs fois tout au long de la vidéo. J'ai pas fait des réglages vraiment aux petits oignons sur les simus que je ne roule pas énormément. Et Assetto Corsa en fait partie. Vraiment de temps en temps pour tester les voitures, voilà. Façon épisodique. Ça rend pas mal quand même. Au tout début, mon premier réglage était pas terrible, mais là. Ça rend vraiment pas mal. Ah, ça ajoute vraiment de l'immersion. On va tester après la petite sortie de piste pour voir un petit peu au niveau hors trage ce que ça peut donner. Ah, ça rend très bien, franchement. Peut-être un poil violent. Est-ce que ça va être violent la sortie? Bon, un petit peu, c'est pas exagéré. Non, vraiment pas mal. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti donc pour Race Room. Même si j'y joue plus énormément. Donc, pareil, hein, j'essaye de trouver des réglages. Je sais que c'est assez long. Ils sont assez corrects, mais c'est pas toujours simple là à mon goût, parce que forcément comme je passe plus trop de temps en ce moment sur Race Room, j'ai pas fait des réglages vraiment aux oignons. Donc, je trouve que l'accélération est un petit peu trop prononcée. Mon but, ça n'a jamais été de faire quelque chose de trop fort dans les sensations, puisque sinon après on perd des informations. On voit bien l'accel, on voit bien le gauche-droite. Encore une fois, c'est des réglages parce que le gauche-droite, les forces latérales sont pas trop prononcées là, comme vous pouvez le voir. Ce sera certainement plus marqué sur d'autres simus. Encore une fois, hein, tout est une histoire de réglage. Ça peut vous prendre très longtemps avant de trouver quelque chose de cohérent. Et comme tout réglage, c'est vraiment personnel. Donc, ce qu'on va faire, on va se sortir pour voir un petit peu au niveau du revêtement. Bon, c'est assez gentil, on va dire. Voyez, voilà pour Race Room. Donc j'aurais envie de dire forcément que les simus avec laser scan des circuits, ça permet d'avoir plus de d'informations sur l'état de la piste, le dénivelé, les bosses, tout ce qui va avec. Donc j'ai envie de dire, voilà, sur cela, c'est logique d'avoir un peu plus d'infos. Encore une fois, ne vous y trompez pas. Les réglages sont très importants et c'est certainement pas optimal pour toutes. Donc voilà, faut pas se fier à ça. Le butt kicker, il sert plus vraiment à grand chose.
voyez leur activité, quand même pas trop mal. Hein. Allez, le bourbier. Enfin, ça équivaut quasiment à chaque simu. Et gros freinage. Suivant. Allez, le fameux RF2. Alors certainement peut-être un peu plus vivant. On va voir ce que ça donne. Bon alors encore une fois, hein, peut-être que j'ai trouvé des réglages qui sont plus adaptés. Mais c'est aussi celui forcément où je joue le plus avec Air Racing et donc du coup pour lequel j'ai fait plus de réglages. Le petit lag, vous avez certainement vu. Vous voyez normalement, alors je le mettrai peut-être en comparaison si je peux. Ça vit quand même plus dans le volant. Enfin dans le volant. Oui, dans le volant déjà de une, mais surtout aussi dans le siège. Il n'est pas violent, il est plus réactif je trouve. Il y a plus d'infos qui transitent dessus. Je me répète, les bot kicker limite il sert à rien parce que passage de vitesse on les sent. Et ici voilà, sortie de piste, ça bouge pas mal aussi. Allez, MS2. Il me semble que ici c'était un petit peu plus prononcé. Oui, forcément, c'est pas la même. En termes de freinage et tout ce qui va bien. Je pense pas que ce soit le meilleur, hein, très honnêtement. En termes de retour d'information, de télémétrie. Allez, la fameuse sortie. Ça bouge pas mal, mais bon, comme je vous dis, je l'ai pas mis trop violent. Allez, next. Allez, c'est parti pour Laguna Seca cette fois-ci. Pour ACC, qu'est-ce que je dis, Laguna Seca. C'est parti pour ACC. Là où il est, sortie des stands et il faut le pit limiter enlever. On sent que j'ai mis les effets un petit peu peut-être plus fort, en tout cas ce que j'ai réussi à trouver un peu plus intéressant. On
au niveau de télémétrie, j'ai l'impression qu'on est pas mal parce que ça bouge pas mal. Je teste toutes les simus, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le propos. On ne reste pas à venir reparler un petit peu de la guerre entre telle ou telle simu. Là, je m'en fous complètement. Mon but, c'était juste au moins vous montrer que ça fonctionne. Et encore une fois, tous les réglages sont perfectibles. Bien évidemment, ils prennent les infos au niveau de la télémétrie, hein, donc je ne vous cache rien que voilà, ça a son importance. Mais parce que ici ça a l'air d'être plus vivant, que c'est plus intéressant, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit peu plus de vie. Allez, à mon avis, en sortant, pas plus que ça, j'aurais pu penser que ça aurait été un peu plus violent. Allez, la suite. Allez, cette fois-ci on est sur un jeu un peu particulier entre guillemets. F1 2023, on est sur le circuit d'Autriche. C'est très réactif aussi. Bon, je m'excuserai de mon pilotage approximatif. J'avais pas honnêtement testé, j'ai bien envie de me refaire un petit tour. Voilà, vous voyez, ça marche très très bien. Alors peut-être un petit peu trop accentué pour l'accès et le freinage. Bon, après c'est de la monoplace de la Formule 1, donc forcément en termes de G, voilà, ça procure plus de sensations, donc c'est peut-être logique. Allez, on va passer sur un autre jeu, notre simu. Allez, Dirt 2, alors là je l'ai mis, voilà, pas trop fort, pas trop smooth non plus. J'ai essayé de trouver un bon mix, pareil, j'ai pas fait énormément de réglages. Dans gauche 6, ferme sur ciel. Dans droite 6 sur ciel, pour ciel milieu et droite à fond, 100 mètres. Il va falloir de toute façon que je peaufine pour WRC qui va bientôt sortir, mais voilà, en l'état. Sur ciel, 50 mètres, droite 5, 60 mètres, reste à gauche sur ciel, 30 mètres, droite 5 long. Ouvre sur ciel, dans gauche 6, long. Attention, ferme 3 sur ciel. Ferme, dans boss jump, dans droite 4. 50 mètres. Ciel jump milieu, 80 mètres. Droite 6 sur ciel, boss. Ah, vous voyez là. Gauche 6 sur ciel, soulage 30 mètres, droite 4 long. Ah, j'ai envie de faire la spéciale jusqu'au bout, mais bon, je vais vous épargner ça. Sur ciel. Mais voilà en tout cas ce que ça peut donner sur dans gauche 4, Dirt 2. Ouvre sur ciel, dans gauche 6, long. Ferme sur ciel. J'espère que WRC va le prendre également en compte.
parce que comme on sait qu'il prend pas encore tout, enfin de ce que j'ai cru comprendre, tous les périphériques et tout ce qui va bien, donc j'espère qu'on aura au moins la télémétrie de dispo. Ouais, on sent bien les bosses, ça c'est vraiment, enfin c'est le kiff quoi. Il y a des sensations qu'on n'a pas sur forcément des jeux auxquels je viens de vous faire des tests. 50 mètres, ciel à fond et gauche 6 long sur ciel. Dans droite 6 ouvre sur ciel. Dans gauche 6 long sur ciel. 100 mètres. À droite 4. Dans gauche 5. Dans droite 2 ferme asphalte. Gauche 5, attention 100 mètres, chicane, entrée droite 1. C'est pour le plaisir, hein, le petit frein à main. Gauche 1, 30 mètres. À gauche 3 long, ouvre 6, extra long, bosse. Dans droite 6, ferme 5, retour terre, 60 mètres. Gauche 4, ferme sur ciel, passe croisement, 30 mètres. 50 mètres, ciel et droite 5 long sur ciel, dans droite 6, gauche 6 long. Allez, on passe à la suite. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais vous montrer sur ce NG Motion Compact Air. Au niveau du bruit, vous avez vu, c'est pas non plus énorme, c'est pas non plus incroyable. Moi, le gros doute que j'avais, effectivement, c'était déjà la violence du truc. Bon, pour ceux qui savent, je suis un petit peu fragile du dos, donc il fallait pas quelque chose qui tabasse trop. Et là, franchement, on est collé au siège, ça bouge pas, entre guillemets, ça bouge pas dans le sens où voilà, il n'y a pas de secousse. Si vous réglez bien les moteurs, c'est suffisant, même sur le rallye, vous voyez, on a toutes les sensations sans être tabassé. Donc ça, c'est une chose. Première chose, donc, j'avais peur de ça, mais pas de souci. En plus, deuxième chose, au niveau du bruit, c'est pas excessif. Bien évidemment, je me donne une heure limite, hein, tardive dans la soirée, vers les 21h30, 22h. Après, bon, comme j'ai déjà dit et répété maintes fois, les filles sont à côté, ça peut poser problème, mais c'est pas si bruyant que ça. Je pense que le... C'est même pas, je pense... Pour moi, celui que j'avais essayé, le NLRV3, il faisait plus de bruit. Le Fury de JCL fait plus de bruit également, d'après ce que j'entends. Donc celui-ci, franchement, en termes de bruit, je n'ai pas trouvé ça excessif. Ça, c'est une chose. Chose que j'ai oublié de préciser, et bon, là, je fais la conclusion, je vous le dis. Quand il est en statique, donc moteur éteint, ça bouge pas, ça ne bouge pas, ça fait pas de bruit. Encore une fois, là où le NLRV3 que j'ai testé faisait, il y avait un tout petit jeu et ça faisait du bruit. Alors, est-ce que j'ai eu un modèle défaillant? J'en sais rien. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire pour ceux qui sont dans les commentaires. Ça permettra à ceux qui veulent se lancer là-dedans de savoir un peu ce qu'il en est. Mais ça faisait un petit peu de bruit. Là, ça bouge pas du tout. Donc, si vous voulez jouer quand il est fermé, quand il est sur off, pas de souci. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est pas mal. En termes de tarifs, je pense qu'encore une fois, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'il est moins cher que le NLRV3, le Fury je vous parle pas, les D-Box ou les V1, c'est pas la même chose non plus. Donc, et encore une fois, voilà. Après, c'est une philosophie. C'est-à-dire que du 2DOF comme ça, il y a que le seat mover, il n'y a que le siège qui bouge. Donc ça simule vraiment les G que l'on peut prendre, toute proportion gardée. Hein, ça ne va pas vous mettre à la place d'une vraie voiture, mais ça permet au freinage de se rapprocher. Donc c'est les forces qui peuvent être appliquées lors d'un gros freinage, pareil à l'accélération, pareil sur les forces latérales. Donc pour ça, pour toutes ces raisons là, alors forcément je vais le garder, j'en suis très très content, je ne pensais pas vraiment avoir autant de sensations. Je pourrais rapprocher ça avec moindre mesure à la VR en fait. Le passage d'écran à la VR, ça vous offre un upgrade. Là, c'est pareil, ça vous offre des sensations en plus, ça vous offre quelques petites infos en plus. Et je l'ai testé en VR, effectivement, c'est encore au-dessus, un palier au-dessus, puisque forcément, vous n'avez pas ce rapport à l'écran. Ça peut paraître drôle, entre guillemets, de freiner, de se rapprocher de l'écran. Mais quand on est en VR, en fait, on se rapproche plus du tableau de bord et du pare-brise. Ça vous simule encore mieux cette sensation, puisque vous avez l'effet 3D. Bref, c'est encore décuplé. Donc franchement, si vous avez un petit billet à mettre là-dessus, je pourrais vous conseiller. Alors, je fais pas la pub du NG Motion, parce que j'ai pas de partenariat, vous savez. Hein. J'ai quasiment jamais, si ce n'est jamais de partenariat, je ne vais pas encore pleurer là-dessus. D'ailleurs, juste pour info, il a encore augmenté, je crois, le NG Motion, mais ça reste le moins cher
de tous les site movers et de tous les systèmes de DoF qu'il peut y avoir. Alors, je crois qu'il en existe encore un qu'il faut faire soi-même, je ne sais plus le nom. Donc, c'est le nom de la boutique ou du fabricant, c'est Simukit, si je ne me trompe pas. Il y a des kits peut-être à 1000 euros. Alors, on saute toutes les pièces, il faut le monter soi-même. Je ne sais pas s'il est encore actif, très honnêtement, je ne vous dis pas de bêtises. Mais le dernier modèle, ça va être le SK2. Enfin, bref, il y a pas mal de tutos, de vidéos qui circulent. J'ai vu que certains en étaient très contents, donc moi je me sentais pas vraiment l'âme de le faire, et encore j'avais peut-être des craintes sur le, pas la fiabilité, mais sur le SAV. Enfin bref, en tout cas, je suis parti sur un modèle qui était d'occasion. Très honnêtement, et je vais être sincère avec vous, s'il était neuf, j'aurais pas pris parce que c'est trop cher. Enfin, trop cher, c'est cher par rapport à ce que c'est. Après, vous allez dire, il y a des casques VR qui coûtent 1500 balles passées, donc après, tout. C'est relatif, hein, mais c'est quand même pas donné. Et en plus, avec l'inflation, ça aura encore augmenté. Donc, mais en tout cas, j'en suis très très content. Donc voilà, encore merci à Tomica. Désolé, je le répète, mais j'aurais pas passé le cap si tu m'avais pas relancé. Parce qu'effectivement, avec toutes les incertitudes que j'avais, j'étais pas certain de pouvoir le faire fonctionner correctement, de m'y amuser, et puis vraiment de le lancer à chaque fois que je roule, quoi. En fait, c'est toujours pareil. Les butt kickers, c'est un moment quand tu les as plus, tu te dis mince, il manque quelque chose, et ben là, c'est exactement la même chose. Donc, encore une fois, si vous en avez un et si vous hésitez, franchement, c'est un très bel investissement. Par contre, il faut prendre son temps pour faire l'aiguillage. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce site mover d'Handymotion Compact Air. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez un retour d'expérience, que ce soit sur cette plateforme ou sur une autre. Et puis comme ça permettra aux autres de se renseigner et peut-être de passer le cap. C'est aussi le but de la chaîne, c'est de pouvoir échanger et donner des avis à certains qui ont des questions ou des choses comme ça avant de franchir le cap. C'est quand même assez important, surtout vu les sommes maintenant que demande ce genre d'équipement. Allez, je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Tchuss!